Rétro Gaming Garage, bonjour! Mika en voix off! Et aujourd'hui, on a un testeur! Alors, comment il s'appelle notre testeur aujourd'hui? Je sais pas, je m'en souviens plus. Oh, donc Jojo, il faut que tu parles haut, hein, parce que sinon on va mal nous entendre. Donc Jojo, testeur! Ouais, bah donc, c'est moi, alors, salut. Vas-y Jojo, commence! Fais star! Donc aujourd'hui, on va jouer à Super Castlevania 4. Donc un jeu culte de la Super Nintendo. Donc voilà. Alors c'est parti Jojo. T'as vu, on peut s'abaisser. Ah oui, on peut s'abaisser. Donc c'est parti. Je viens de faire quoi là? Donc on peut sauter avec le bouton jaune. Allez vas-y, explique les touches Jojo. Des coups de fouet. Enfin, en appuyant sur quel bouton? De chaîne. Enfin de bougie. Avec le bouton vert. Donc le Y. Après les autres touches. Bah c'est tout. Sauter c'est quoi? C'est le jaune. D'accord. Là je viens de ramasser un poignard, mais si tu restes appuyé sur le bouton Y, ta chaîne elle va tourner. Vas-y, bouge. Ah tu vois? Ah oui d'accord. Ok. Allez vas-y, c'est parti. Part en action. Donc on va faire une vie chacun, Jonathan. D'accord. Donc on va faire un test de 20 minutes. C'est un jeu Konami qui est sorti en 1991. Donc là, tu incarnes Simon Belmont. Ah, ton personnage s'appelle Simon Belmont. Allez, vas-y, rentre. Allez, t'essayes d'aller le plus loin possible. Superbe animation. D'accord. Alors ton personnage il peut fouetter dans 8 directions différentes. Alors haut, droit, gauche, bas, haut, diagonale, bas, haut, oui je veux bien. Voilà. Allez vas-y avance Jojo. Donc il y a 9 stages à faire et il faut savoir qu'après les 9 stages qu'on fait, il y a 2 sous-stages. Après les 9, donc dans les 2 sous-stages en haut, t'as tour... la tour d'horloge et en B t'as dragon central. Donc c'est un jeu qui est sorti sur la Wii, en console virtuelle. Comment je fais? Et bah tu sautes. Ah mais il y a un trou et mon seul est passé. Ah bah voilà, bah moi Jojo. Tu l'as fait exprès. Super. Bon, alors une vie chacun on a dit. Mais c'est parti. Comment je fais? Ah bah tu te débrouilles. Comment je fais pour ce... Enfin... D'accord. Donc, le squelette, je vais le péter. Alors, tu perds de la vie en fait. Alors, l'explosion est pas mal, hein, du squelette. C'est l'animation. Ouais. Elle est vraiment pas mal. À mon avis, tu peux t'accrocher au... Par où? Bah, de toute manière, il y a des... Il faut savoir que dans ce jeu-là, ils exploitent le mode 7 de la Super Nintendo. La barrière. D'accord. Je vais essayer. Alors, Jonathan. Mais j'avais essayé, mais j'ai pas. T'as fait comment? Bah, j'ai appuyé sur le haut. D'accord. Appuie sur le haut. Donc, t'as plus l'habitude que moi. Donc, il y a plusieurs passages, hein, comme tu vois. On peut retourner sur le. Sur tes pas. Sur les pas vers l'avant. Oh, une chauve-souris. Donc, on fait la partie en facile. Comment ça en facile? Ah, parce que c'est relativement assez dur quand même le jeu Castlevania. Donc on va essayer de montrer un petit peu le jeu aux internautes. Donc on peut remarquer que c'est quand même assez sombre. Hein. Oh là là, un basilic. Donc pour utiliser les objets, c'est le R. J'ai essayé. Alors si tu restes appuyé, c'est qu'est-ce que je voulais te montrer, mais regarde, la chaîne elle peut faire des tours comme ça. Peut te faire tourner ta chaîne. Enfin, c'est un boulier. Ouais, voilà, voilà. Une espèce de boulier. Oh oh! En fait, on joue tout doucement, mais sûrement. Trop bien. Sûrement. Ah, tu t'es fait toucher trop rapide. Mais t'es mauvais.
Je sais. Je récupère tous les objets qu'il y a dans les lampes, enfin dans les bougies. On va prendre l'argent, des points. Oh là là, il t'a acheté un os. Donc comment tu trouves ça graphiquement, toi? Graphique, ça représente bien l'univers de Castlevania. D'ailleurs, c'est quel univers? C'est chevalier, non? C'est ça? Ouais, c'est chevalier médiéval. Hein. Ouais, c'est hein, de toute manière, c'est un chasseur de vampires. Tu dois aller tuer Dracula, en fait. D'accord. Pour les Castlevania, ça fait 46 000 personnes. Autrement dit, j'ai pas du tout l'habitude de jouer Castlevania. Ouais, est-ce que tu connais avec filière Castlevania? Tiens, ça c'est une bonne question. De nom. De nom, mais t'as jamais joué. Hein? Pas de souvenir. Oh, ça c'est pas mal, gars. Wouah! Youhouh! J'ai pas de souvenir d'avoir joué à Castlevania de ma vie. Alors... Non, je connais pas du tout les Castlevania. Bon, c'est quand même Konami qui a fait. Hein. Ah! Oh, je suis mort. C'était un trou. Faut sauter et te raccrocher, t'as vu? On t'a dit. Le R. Mais je veux bien, mais. Debout peut-être. Allez, lol. Voilà. Allez, essaye d'aller loin, Jojo. D'aller plus lentement, tu dis. Ah ouais. Oh là là. Oh là là. Donc, on va mettre un zeste de son jusque quand tu meurs, d'accord? Donc, on va pas parler, on va vous mettre. Pourquoi il me met de la musique. Oh là là. Donc en baissant le fond, la chaîne a bougé, tant pis. Hein.
Ah, c'est Retrogami Arrache, donc on vous a fait une petite coupure, j'espère que ça vous a pas trop déplu. Hein, Jojo, ça arrive. Hein. Donc la musique, qu'est-ce que tu peux en dire, Jonathan, toi? Le swing, non, elle est bien. Elle est bien, t'aimes bien ce, ouais, ce rythme-là? Bon, moi, je l'ai trouvé moyenne. Mais bon, elle va avec l'univers de, oh là là, du jeu. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai un Pokémon grotainement. Graphiquement, je trouve ça quand même assez joli pour la Super NES. C'est... maniabilité, bon, ça correspond, elle est très très bien. Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi, de la maniabilité? Ah, ça va. Tu me parlais de... qu'elle exploitait, enfin, le jeu exploitait... Ouais, ouais, pas c'était mal, quoi, graphiquement. C'était quoi, tu t'avais les graphismes sont cool. Hein. Ouais, mais il exploite quoi, en fait? Ah, le mode 7. Mais sur le, les niveaux d'après. Et c'est quoi exactement le mode 7? Bah, c'est le mode... un mode de zoom sur la Super Nintendo. D'accord. Oh! Mais merde! Oh, mais non! Pas deux fois. Où tout est en rotation. Ah, mais... alors t'es concentré, hein, Jojo, on n'entend pas beaucoup parler quand... Ah, c'est surtout les... quand, quand ah, mais... joues, ah, j'ai encore une deuxième barre de vie. T'es mort. Mais non, c'est pas ta barre de vie, c'est par ennemi. C'est la ah, barre c'est de vie des ennemis. Ah oui, j'avais pas lu. J'avais pas lu à côté. C'est ennemi, ouais. Fais gaffe à... à ce truc-là qui oh, ressemble non, à rien. M'arrête. Je m'arrête pas. C'est l'herbe qui tombe en forme de monstre. Ouais. D'accord. Tête de cheval. Tu vas mourir avant la fin. Oh, ouais. Par contre, si j'ai quelque chose à dire, le bonhomme il avance quand même d'une bonne facture, mais il est pas trop rapide quand même. Non, il a l'air courageux quand il avance. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air. Ouais, il est chouette, hein, le personnage. Il a l'air de dire voilà, c'est bon, j'arrive, je vais vous botter le cul. Ouais, je vais vous défoncer Ghosts and Goblins. Hein? Non, j'entends, t'es en train de te faire. Je vais parler de. Une tête de cheval. De cheval. Pas trop rassurant. Il manquerait plus que une sorcière qui poursuit. Faut sauter. Ouais. Oh. On n'est pas trop bon parce que c'est vrai que même moi, Castlevania, je ne joue pas très beaucoup, beaucoup. Même étant jeune, j'avais pas de Castlevania dans ma collection de jeux quand j'étais tout jeune. Et t'en as un maintenant? Ah, j'en ai trois. Trois, mais j'aurais pas tous les Castlevania, tu vois. J'ai... bon, c'est pour faire une partie de temps en temps. Ils en ont ressorti sur Next Gen? Oui. Ouais. Ah, c'est des tueries sur Next Gen, les Castlevania. Enfin, je parle. Parce que là, quand... ah, je suis tombé. Bon, on peut remarquer que c'est quand même assez dur. Comme la Xbox One et la PlayStation 3. T'as vu ton... bah, sur... sur PS3, t'en as vu. Voilà, c'est sur PlayStation 3, Xbox 360, parce ouais, que ouais, les deux autres, ça sont pas encore assez développés, je pense. Il y en aura un. Oh non! Mais non, ah, mais non, mais non, mais non, mais ah, non, bah voilà. On n'a même pas fini le jeu. On n'a même pas fini le premier niveau. Bah, premier aspect que tu dirais sur ce jeu. Le premier aspect sur les premiers quarts d'heure que tu as découvert Castlevania. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, Jojo? Tu veux dire mon avis? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Dis, critique. Eh bien... il y a plusieurs armes secondaires. Hein. Ouais. Bon, alors, bah, toi, t'aimes bien, t'aimes pas? Bah, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, par contre, t'as vu, là, on a fait un continu, on retourne au, tout au début du premier niveau. J'aime bien. Donc, y a une... est-ce que tu aurais des points négatifs? La rapidité du sprite. Ouais, tu trouves ça un petit peu lent? Ouais, le sprite seulement. Ouais. Sinon. Sinon, il est bien décrit, hein, comment il marche bien. C'est vrai que. Très bien. Peut-être augmenter sa... enfin, peut-être augmenter la rapidité. Maintenant, ça va être difficile. Comme il est plus développé. Mais. Non, sinon il y a une
Il y a une gamme de d'armes qui est assez sympa. Même les monstres, il y a plusieurs monstres, enfin plusieurs ennemis. Ouais, ouais, il y a une bonne. Un beau bestiaire, on va dire. Mmh. La musique, elle est dans le thème et c'est sympa. Elle est pas très non plus répétitive comme certains jeux, c'est assez énervant. Ouais. Bon, bah, mets-lui une note, Jojo, premier aspect. Combien tu y mettras, Jojo? Je mettrai un 15 sur 20. Moi. Toi, 15 sur 20. Enfin, 15 sur 20. Ouais. Tu conseilles ou pas? Tu seras acheteur ou pas, ça? Oui. Tu seras acheteur? Moi, j'aime bien quelques jeux de plateforme, donc. Oui. Ouais. Bah, de toute manière, j'ai. Mais t'en as pas dans ta collection? Non. Ouais. Mais j'ai Ghost and Ghost, donc. C'est à peu près dans le même genre, on va dire. Enfin, sans les pièges. Ouais, enfin, c'est. Sur un ego. Voilà. Donc, tu seras acheteur, si tu trouverais du Castlevania, tu prendrais peut-être sur ta Super Nintendo. Mmh. Bon, à part que les codes sont quand même assez élevés en Castlevania. Les jeux Castlevania, ça ne sont pas donnés. Un 15 sur 20. Bon, moi, je vais y mettre un 16 sur 20. Hein. Malgré que pour beaucoup de personnes, ils considèrent ce Castlevania-là comme un des meilleurs. Avec celui de la PC Engine, bien sûr. Moi, j'ai une petite préférence pour celui de la Mega Drive. Après, bon, c'est une question de goût. Hein. Mais sinon, un bon jeu. Voilà, et sur ce Retro Gaming Garage, à la prochaine. Et allez, on se revoit dans une semaine. Dans une prochaine vidéo.